Assalamu alaikum wa wa Une question qui est souvent posée par la gendre féminine, entre parenthèses, étant donné qu'elle se retrouve souvent indisposée entre 5 et 10 jours durant le mois de Ramadan. Une fois le mois de Ramadan terminé, deux choix s'offrent à vous. Soit vous jeûnez les six jours de Shawwal qui sont facultatifs, ou bien vous rattrapez ces jours obligatoires du mois de Ramadan qui font partie du quatrième pilier de l'islam. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fiqh nous avons une règle. Lorsque deux adorations rentrent en conflit, on donne la priorité à l'adoration obligatoire, al fard Vous savez pourquoi Car la meilleure façon de gagner l'amour d'Allah subhanahu wa taala est d'accomplir ce qui nous a prescrit. Écoutez ce que nous rapporte Abu Hurairah dans un hadith qu'otsi, dans lequel Allah subhanahu wa taala s'adresse directement à nous. Il nous dit dans ce hadith yقول, Man waliyan, faqad bilharb, wa mimma Rien ne me fait plus aimer mon serviteur que son accomplissement des devoirs religieux que je lui en ai enjoints. Donc, en rentrant pas tes jours de Ramadan en premier, tu feras partie des gens qui déclencheront l'amour d'Allah pour toi. Donc, une fois le mois de Ramadan terminé, empresse-toi de rattraper tes jours loupés durant ce mois béni. Si après avoir rattrapé tes jours obligatoires, tu décides de jeûner ces six jours facultatifs, et pour une raison, tu n'as pas pu les jeûner entièrement ou du tout les jeûner, mais tu étais déterminé à les jeûner, alors sache que tu ne t'adresses pas à une créature qui te demandera de te justifier ou bien qui remettra en cause tes intentions. Mais sache que tu t'adresses au Créateur, al-Khaliq, Allah subhanahu wa ta'ala, al-Rahman, al-Rahim, le Tout-Miséricordieux, le Sage, l'Omnipotent, qui connaît ce qui est caché et ce qui est apparent. Et j'ajoute à cela aussi une bonne nouvelle. Écoutez ce que Moussa al-Ash'ari radiyallahu anhu nous rapporte. « an Nabi Moussa al-Ash'ari anhu, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, D'après Abu Musa al-Ash'a, le prophète a dit Lorsque le serviteur tombe malade ou voyage, il lui est écrit l'équivalent de ce qu'il faisait lorsqu'il était résident et en bonne santé. Donc, certains savants se sont appuyés sur ce hadith-là pour dire tout simplement qu'une personne qui n'a pas pu se jeûner ces jours-là, elle a une excuse valable. Allah Subhanahu Wa Taala lui écrira cette récompense. Donc ne vous inquiétez pas, vous êtes entre de bonnes mains, celle du Miséricordieux, celle de l'Indulgent, Allah Subhanahu Wa Taala. Donc après avoir rattrapé tes jours de Ramadan et après avoir fait les efforts ou bien les causes pour jeûner ces six jours-là, mais tu n'as pas pu le faire, Allah Subhanahu Wa Taala te comptabilisera tes hassanets. Et n'oubliez pas aussi le hadith de Abu Ayub dans lequel le Messager a dit quiconque jeûne le mois de Ramadan, c'est-à-dire entièrement, et le fait suivre par le jeûne de six jours de Shawwal est comme quelqu'un qui a jeûné tout le temps. Mais la condition ici est de jeûner le mois de Ramadan entièrement, puis ensuite jeûner les six jours de Shawwal. Donc j'ai peur que celui ou celle qui jeûne les six jours de Shawwal, alors qu'il n'a toujours pas soldé, ces jours du mois de Ramadan ne fassent pas partie de ce hadith-là, comme beaucoup de savants ont dit. Donc, vaut mieux jouer la sécurité et aussi la facilité, car Allah subhanahu wa aime la facilité pour ses adorateurs. Donc, rattrapez vos jours, puis jeûnez vos six jours de Shawwal et sachez que la mort nous guette à chaque recoin. Donc, rencontrez Allah subhanahu wa avec des dettes spirituelles alors qu'on pouvait les solder ce serait vraiment dommage en espérant que ce rappel ait été bénéfique wa faqaqakumullah liman yuhibbu yarda assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh